Bonjour les amis, bonsoir. Alors j'espère que vous m'entendez, je mets le countdown. Bonsoir les amis. Alors dites-moi tout de suite les amis, si vous m'entendez bien cette fois-ci. Bonsoir les amis. Alors dites-moi tout de suite. Merci les amis, je suis contente, vous m'entendez. Bon, c'était pas un problème technique venant de ma part, c'était un piratage en bonne et due forme, puisque j'étais obligée de changer tous mes mots de passe partout. J'ai été prévenue parce que j'ai un logiciel spécial pour ça. Voilà, il m'avait enlevé le son et plein d'autres choses d'ailleurs. J'ai tout remis là en l'espace de 10 minutes. J'espère que maintenant c'est bon, les amis. Vous voyez, c'est la guerre. Il n'y a pas d'autre mot, hélas. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir enfin faire ce live tranquillement je suis contente que vous soyez là. Nous sommes 38, s'il vous plaît, mettez des j'aime à ce live-ci, s'il vous plaît, pas à l'autre. L'autre, je sais pas, je pense que je l'ai enlevé, mais attendez, je vais aller d'abord l'enlever, l'autre, pour qu'il n'y ait pas de trouble pour ceux qui rejoignent en catastrophe, qui tombent sur le bon live tout de suite, les amis. Bien sûr, alors excusez-moi, il faut que j'aille sur YouTube, une seconde, je suis toujours là, les amis, vous me voyez, je parle, mais il faut que j'aille sur YouTube pour enlever l'autre, parce que sinon ça va faire un doublon et les gens vont penser que je ne suis pas là, alors que je suis là, à nouveau. Donc j'en profite en même temps que je cherche ce que je dois enlever. J'en profite en même temps pour vous dire une merci à vous d'être là. Alors attendez, excusez-moi, faut pas que je me trompe là. Là, je me tais une seconde. Voilà, je suis en train de supprimer le précédent live qui n'a pas eu lieu, enfin qui a eu lieu 2 minutes sans son. Voilà, comme ça les gens peuvent me rejoindre. Tout va bien maintenant, je peux m'occuper de nous les amis. Alors, je vais passer direct au bonsoir des gens qui sont venus. Merci de mettre des pouces. Nous sommes 53, je suis très heureuse de vous retrouver après ces péripéties techniques. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, il y avait le petit prince avec moi. les amis, bonsoir à Jo, merci à toi d'être là. Bonsoir Pochoul, bonsoir Vichara, bonsoir Françoise. Bonsoir Julia, bonsoir. Ben si, il y a eu un énorme. Je l'ai vu parce que moi j'ai tout allumé ici. Hein. Je l'ai en même temps sur. Je parle à Pochoul et qui dit que il n'y avait pas de problème sur PC. Si si, c'est parce que j'ai tout de suite réagi. Bonsoir Bouéo, bonsoir Taranissou, bonsoir Vichara. Ah oui, j'en ai besoin, Vichara, j'en ai très besoin en ce moment. Bonsoir Jardin d'Arbraman. Yes, on va essayer de passer une très bonne soirée plein de soleil. Bonsoir, il bel passato. Bon, écoute, Pochoul, je ne te connais pas, donc merci. Pas de souci ou pas de souci. Je ne sais pas ce que ça veut dire, CL. Si tu n'es pas explicite, voilà, je pense que la modération va avoir du travail ce soir, hein, vu le piratage que j'ai eu. Merci. Il
belle passate, bonsoir. Bonsoir à, bonsoir à tous. Bonsoir Cyril, bonsoir Sourati, merci à toi, bonsoir Francine, bonsoir Taranissou, bonsoir Patrice, bonsoir Cicérone, bonsoir Chris-Marie, bonsoir Elfie, bonsoir Laurent, merci à toi, bonsoir Sylphide, bonsoir Angèle, bonsoir Annie, bonsoir Philippe. Bonsoir, Gaspare, buonasera. Si, finalmente. Ensuite, bonsoir Claudie, bonsoir Abderrahim, bonsoir à toi. Bonsoir Diane, bonsoir Philippe, oui. Bonsoir, eh oui, ça dérange. Bonsoir Diane. Mettez les pouces, les amis, mettez les pouces. Bonsoir. Oui, haut les cœurs. Bonsoir Françoise. Bonsoir du Gers. Bonsoir. Oui, alors, Abderrahim, je t'envoie Sourati. Sourati a besoin de certaines de tes conseils, s'il te plaît. Tu peux lui donner ton mail en privé. Je sais pas comment tu peux faire. Voilà. Bonsoir Angèle. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Alors, l'ami Gilles que vous voyez dans le chat, Gilles Zimmermann. Franchement, allez vous abonner à son YouTube et à toutes ses plateformes, s'il vous plaît. C'est un extraordinaire musicien, vraiment du cœur. Et voilà, on en a besoin. Parce que vous savez, vous avez des musiciens institutionnels froids et puis vous avez les autres qui sont des vrais créatifs. Et là, on a un rapport avec la nature, un rapport avec tout ce qu'on aime. Alors, abonnez-vous au YouTube de Gilles Zimmermann et à toutes ses plateformes. Il est sur Facebook, il est partout. Bonsoir la Mme Zaza. Bonsoir Steph. Bonsoir Shafika. Bonsoir Roger. Bonsoir Claudie de la Guadeloupe. Bonsoir Peace Unity. Bonsoir Monique. Bonsoir, Angèle. Ah oui, tu as froid en Alsace, mais ici aussi il fait froid. Bonsoir, Contact Terre. Bonsoir Maya. Bonsoir Katia. Bonsoir Jean. Et oui, je viens d'expliquer que j'ai été piratée. Voilà. Bonsoir Peace. Bonsoir Diane. Oui, Diane est en train de féliciter notre ami Gilles Zimmermann qui est plus haut dans le chat parce que j'avais envoyé sur mon chat Telegram de tous mes élèves de masterclass. Je rappelle à ceux qui ont des masterclass qui peuvent accéder à ce chat gratuitement sur Telegram, mais il faut qu'ils m'écrivent pour me le demander. Et cet ami a donc j'ai mis le YouTube de notre amie Gilles et elle a écouté déjà la musique de Gilles et elle l'adore. Voilà. Bonsoir Geneviève. Voilà, encore une autre fan pour toi, Gilles. Elle aime la contrebasse. Bonsoir Claudie. Oui, on a besoin de la Guadeloupe. Bonsoir Marie-Paul, bonsoir à tous les amis. Et excusez-moi encore pour ce problème technique qui n'est pas un problème technique, mais un piratage, donc qui n'est pas dû à quoi que ce soit concernant ma plateforme. Mais voilà, ça arrive, ça faisait très longtemps, c'était pas arrivé, mais voilà. Alors les amis, à ce sujet, si j'ai une interruption dans n'importe quel live, prenez patience, il faut au moins 10 minutes pour que je reconfigure tout pour réapparaître autrement, avec un autre signal, avec une autre provider, avec un tout. Bon, j'ai tout à disposition, mais il faut du temps toujours. Donc, ne vous inquiétez pas et je reviens toujours. Voilà. Je reviens par la fenêtre.
Mettez les pouces, mettez les pouces, les amis. Et ce soir, nous avons appris sur la masterclass Anubis et au point août et sur la masterclass Ravenna, très importante pour tout ce qui concerne les lignes de temps. Et à ce sujet, je voulais vous faire aussi une autre annonce importante. Excusez-moi, je regarde parce que en fait, voilà, je cherche le nom de quelqu'un, je vais juste dire son prénom, elle se reconnaîtra. Excusez-moi, parce qu'elle peut me contacter si elle le souhaite. Excusez-moi, juste le nom parce que j'ai pas tout en tête. Christine, tu as fait un essai pour obtenir une masterclass. Tu en as fait même trois hier. Si jamais tu veux obtenir à nouveau, il n'y a pas de problème, mais il faut remplir vraiment très bien la fiche pour l'inscription, parce que sinon, eh bien, les banques détectent quand le mail est mal écrit ou l'adresse est mal écrite ou je ne sais quoi est mal écrit. Voilà. Donc, quand vous remplissez les formulaires, les amis, il faut être très précis. Bon. J'en ai fini avec les obligations. Entre guillemets, je salue tout le Québec, toute la France, toute la Belgique, toute la Suisse, toute la Polynésie, toute la Martinique, la Guadeloupe, toute l'Afrique francophone, tous les Français à l'étranger, tous ceux qui aiment la langue française, nos amis italiens, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et on va pouvoir peut-être commencer. Alors ce soir, on a quoi? Eh bien, on a encore des hiéroglyphes, hein, puisque je vous dis pourquoi les hiéroglyphes sont des portes interdimensionnelles. Alors, rappelez-vous que dans mon avant-dernier live, j'avais déjà parlé des hiéroglyphes. J'ai plusieurs lives ou vidéos où je parle de hiéroglyphes dans le passé, mais comme ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Donc, si ça vous intéresse et si vous prenez chacun de ces lives, etc., vous pouvez finir par comprendre mieux les hiéroglyphes que dans n'importe quel cours. Qui fait que recopier les dictionnaires et vous farcir la tête avec des propositions grammaticales à la française qui en fait sont complètement non avenues pour bien comprendre ce que veulent dire les anciens Égyptiens. Donc là, je vous propose d'abord de commencer par certains hiéroglyphes encore, hiéroglyphes qui nous amènent à d'autres choses, et puis après je répondrai à cette question du titre de mon live. Je le remets là. Voilà. Voilà. Et dernière annonce, ceux qui prennent les masterclass donc, ont droit à entrer dans le chat des élèves si m'en font la demande. Et je vais bientôt mettre là, mais aussi il y a le groupe des élèves sur Facebook, c'est la même chose, sauf que sur Facebook, on peut pas converser comme sur Telegram, donc je prends que les annonces sur Facebook. Mais par contre, là, et sur Telegram, je poste très bientôt un lien vers une vidéo sur un sujet que vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir. Mais qui sont des informations importantes. Voilà, vous verrez ça en moment voulu. Bon, voilà. Alors, je peux commencer maintenant. Je regarde une dernière fois, puisque nous commençons en retard, les amis. Voilà. Merci Jo, merci pour tous les liens. Et on peut commencer. Ça a été un peu. Il est déjà 9h04. Nous sommes 77. Et mettez les pouces, les amis. Et désolée donc pour ce retard qui n'est pas. Où je n'ai rien pu faire, hein, puisque. Sauf tout recommencer. Et voilà. Ah, on va refaire revenir. Le calme et la joie. Donc, on va commencer tout de suite direct dans des hiéroglyphes pour que vous compreniez bien, que vous vous mettiez dans l'ambiance, parce que c'est important. Alors, je cherche le hiéroglyphe, excusez-moi, parce que j'en ai pas mal à vous montrer ce soir, et c'est très très important.
Voilà. Alors, nous allons parler de ceci. Voilà. Alors, vous voyez ce canard, en fait, c'est une oie. Et ça se prononce ça. S-A. D'accord. Alors, vous vous dites, bon, ok, ça veut dire oie. Et dans ce mot-là, la lettre. Alors, je vais vous montrer il faut que je vous montre en même temps un autre ça. Donc ça, c'est loi et ça se prononce ça. D'accord? Ensuite, vous avez ça. Donc cette espèce de canne qui s'appelle ça aussi, se prononce ça aussi. Et quand vous voyez les deux ensemble, voilà, donc, les deux ça, hein, on dit pas ça, là, on dit ça tout court, parce que la canne représente le son S, ça, mais c'est aussi le féminin, c'est-à-dire elle, c'est à une femme ou à des femmes, et d'ailleurs, c'est le même lettre S que dans Sobek, hein, pour ceux qui ont pris la masterclass Sobek. Et le canard, quand il est représenté, enfin l'oie, quand elle est représentée comme ça, avec le S, qui est un ça aussi, ça veut dire la filiation. Donc, c'est pour ça que quand on dit ça, ra, c'est la filiation du soleil. Voilà. Et c'est pour ça que tous les pharaons, dans leur titulature, ont toujours le Sarah, qui veut dire fils de du soleil, et on le connaît ça en général assez par cœur quand on regarde toutes les cartouches des pharaons, vous trouvez toujours loi. Bon, très bien. Donc ça vraiment, les amis, c'est vraiment la phonétique, hein, voilà. Et on sait que ça, c'est loi domestique. Et ça n'est pas loi sauvage. Alors, vous avez loi sauvage qui est représentée. J'essaye de vous la montrer. C'est-à-dire que, excusez-moi, je pense que je ne l'ai pas, mais c'est très simple. Quand vous avez la canne là, qui est à gauche, dans l'autre sens, c'est le toujours loi. C'est toujours, ça peut toujours se lire ça, mais en fait, on le lit en phonétique geb, c'est-à-dire la terre, l'énergie de la terre, geb. Vous connaissez le Nietzsche geb. Alors, avec un trait comme ça, le ça, le loi, vous voyez le trait à droite, ça indique précisément le fils. Donc vous avez la filiation soit féminine, soit masculine, hein, donc pas de souci. Donc c'est très important. Alors je vous montre Geb. Voilà. Donc Geb, vous avez toujours loi. Et vous avez la jambe et vous avez le hiéroglyphe qui ressemble à un petit pharaon là assis. Et ça, c'est un Nietzsche, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement et erronément un dieu. Donc, vous voyez toutes les différences. On fait la différence entre une oie qui est une oie toute simple, domestique, et puis une oie qui est une oie sauvage. Et il existe encore beaucoup d'autres hiéroglyphes ayant la même phonétique. Alors j'avance, parce que sinon on ne va pas y arriver, il y a beaucoup de choses. Donc, vous avez aussi ce hiéroglyphe-là qui se prononce ça aussi. Voilà. Alors là, on va aborder quelques hiéroglyphes un peu rares. Donc, ce mot-là, ça,
veut dire une étoffe en partie déroulée. Alors sur la partie ronde qui est à droite de l'étoffe déroulée, là dépliée, c'est une croix en fait. Hein. Là, c'est parce qu'il y a un jeu de d'ombre et lumière qui fait qu'on croit que c'est une espèce de je ne sais quoi, mais non, c'est vraiment une étoffe en partie déroulée. Et la signification abstraite de ce signe se rapporte à tout ce qui concerne le savoir. C'est le savoir qui se déploie au fur et à mesure que l'intelligence humaine scrute et dévoile les secrets de la nature. Alors là, vous vous rendez compte déjà que ce hiéroglyphe-là, ce ça-là, ce morceau de tissu déplié, il convoit un concept qui est vraiment interdimensionnel, hein, parce que là, c'est vraiment le savoir qui se déploie au fur et à mesure que l'intelligence humaine scrute et dévoile les secrets de la nature. Donc ça nous emmène très loin. Alors vous savez que dans plein de traductions, c'est pour ça que les traductions sont très mauvaises en général, surtout en français, je sais pas pourquoi. Il y a des meilleures traductions en anglais et en allemand. Mais en français, c'est une catastrophe parce que vous allez voir dans des textes sacrés qui traduisent ça par vraiment étoffe ou tissu ou voilà. Alors on lit ça, ça nous tombe des mains parce que c'est ennuyeux, parce qu'on comprend pas pourquoi il parle de tissu dans ce texte. Il parle pas du tissu, il parle du déploiement du savoir. Mais ça, c'est parce qu'il faut connaître tous les niveaux de connaissance et bien sûr le contexte. Donc vous comprenez la difficulté. Pour un traducteur, il faut que le traducteur soit hyper cultivé sur l'ensemble des données anciennes égyptiennes, de tout le savoir des anciens égyptiens, et surtout de connaître les 7 niveaux d'interprétation des hiéroglyphes, et aussi tous les hiéroglyphes qui se prononcent pareil, savoir à quoi on fait référence exactement selon le contexte, etc. Et aussi comprendre la profondeur. Les hiéroglyphes permettent non pas un petit dessin pour vous décrire la chose, parce que ce ne sont pas des idéogrammes exactement, comme on veut bien le dire, c'est beaucoup plus que ça, ce sont réellement des portes interdimensionnelles, dans le sens où, si vous prenez le sens le plus profond quand vous avez affaire à des textes sacrés, bien sûr, pas quand vous avez un texte domestique de comptabilité, hein, bien entendu, mais quand vous avez un texte sacré, il est important d'aller au sens le plus profond. Donc, je remets ce hiéroglyphe une seconde. Ce ça-là veut dire vraiment le déploiement de la connaissance du tout ce qui concerne le savoir. Donc, il y a une notion de temps. Ça parle de déploiement. Donc, ça veut dire ça part de maintenant et ça va dans le futur. D'accord? Il faut toujours avoir conscience de ça quand vous êtes en train de lire un texte en hiéroglyphe égyptien. C'est que il vous parle soit du passé, soit du présent, soit du futur, soit du présent et du passé, du présent et du futur. Et c'est très important de le capter, ça, c'est très important. Alors, d'ailleurs, cette image de tissu plié que l'on déroule au fur et à mesure, en fait, le tissu, c'est quoi? C'est un tissage. Donc c'est des croisements de données. Vous comprenez? Et le fait de le dérouler, ce croisement de données, bah, ça nous parle du passé et du futur et du présent. Ça nous parle de tout ça. C'est un déroulement. Et on retrouve ça chez Thémistocle, d'ailleurs. Parce que Thémistocle, je vais vous dire 2 mots sur Thémistocle pour les gens qui l'ont oublié ou qui connaissent même pas qui c'est. Thémistocle, il est né en 524 avant Jésus-Christ et il est mort en 459 avant Jésus-Christ. Et c'est un homme d'État, un stratège athénien. Et il ordonne la création d'une marine de guerre afin de défendre la cité contre l'Empire perse. Et il contribue au triomphe de la coalition grecque à la fameuse bataille de Salamine.
Ceux qui aiment les stratégies, allez voir Bataille de Salamine. Vous allez voir, il a fait une stratégie incroyable. Et il est considéré comme le fondateur de la thalassocratie athénienne. Et ensuite, enfin, il a eu beaucoup de mésaventures, d'aventures incroyables dans sa vie. Vous pouvez aller voir sa vie, c'est toujours intéressant. Et après, il est allé se réfugier parce que bon, il a eu des tas d'histoires avec les Spartiates. Et il s'est réfugié chez Artaxerxès Ier, qui est un grand roi achéménide, achéménide Achéménide, pour ceux qui savent pas, allez chercher le mot, ayant régné de moins 465 à moins 424. Et comment on sait ça? Parce que c'est Manéthon, c'est-à-dire Manenthot, hein, le prêtre égyptien qui était dans le delta et qui a donné toute la liste des pharaons, y compris celle que officiellement on ne veut pas que vous voyez, qui est avant la dynastie Zéro. Manenthot, qui est très sérieux puisqu'il s'est jamais trompé dans toutes les généalogies qu'il a données, c'est lui qui l'appelle Artaxerxès. Et il lui a donné 41 ans de règne. Artaxerxès, c'est le fils de Xerxès Ier et de la reine Amestris. On l'appelle Longue Main parce que figurez-vous, c'est plus tard qu'il l'appelle comme ça, parce que sa main droite était plus longue que sa gauche. C'est des choses qui arrivent. Bon, ça c'est une anecdote, mais c'est voilà pour illustrer. Et donc Thémistocle, le philosophe, il a dit un jour à Artaxerxès, à la cour, que la vie humaine est comme un tapis roulé qui se déploie petit à petit. Et je donnerais pas ma main à couper quand même, mais ma main à devenir aussi longue que celle de Artaxerxès qu'il avait lu. Les hiéroglyphes et après les hiéroglyphes avec les plus grands prêtres pour avoir la signification profonde des mots. Parce que vraiment, ce hiéroglyphe-là, ce tissu déployé, là, voilà, c'est le savoir déployé dans le temps. Alors, excusez-moi. Je regarde. Ah oui, ça c'est la tête de Thémistocle, pour que vous voyez. C'est un très grand guerrier. Hein. Je crois que j'en ai une autre. Voilà, Thémistocle. On sait à quoi il ressemblait parce que il a été mis sur des médailles hein, à l'époque. Voilà, donc c'est vraiment fidèle à sa représentation. Et il y a plein de statues de lui qui existent. Et puis Artaxerxès, j'ai quand même voulu vous le mettre 2 secondes pour que vous voyez. Et vous voyez que sur son casque, il y a des signes très importants comme la Lune, comme Jupiter, etc., etc. Donc, j'en reparlerai un de ces jours. Alors, maintenant, dans le livre Ancien Égyptien des portes du Duat, dont je vous ai déjà parlé dans une très ancien live. Il faut savoir que le livre des portes du Thoth, alors les Grecs ont appelé ce livre plus tard, parce qu'il est très très ancien ce livre égyptien, le livre des portes de Hadès. Mais il s'appelle le livre des portes du Thoth. Il faut savoir que ce livre, ces portes, ce livre est divisé en 12 parties correspondant aux 12 heures de la nuit pendant lesquelles le soleil dit mort parce que on le voit plus, il a disparu, il est dans la nuit. Alors le soleil mort s'appelle Af. Je ne sais pas si j'ai ce hiéroglyphe-là, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais sachez simplement comme ça qu'il s'appelle Af. Cheminer le long des passages mystérieux remplis de dangers pour pouvoir accomplir ce voyage, il était muni du savoir et de la puissance. Donc, du ça que vous avez vu là, il y a 2 secondes, ce tissu déployé dans le temps,
Ça, c'est le savoir et aussi de la puissance. Et c'est de ça dont on va parler parce que c'est ça qui est extrêmement important. Alors d'abord, je vous montre une photo, voilà, du livre des portes du Duat. Très, très, très important livre. Mon soupir, c'est parce qu'il faudrait que je le traduise moi-même, mais un de ces jours. Mais j'ai tellement de travail que j'ai pas trop le temps. Et donc, vous avez donc ça. Et puis alors là, vous voyez au milieu, vous voyez Khnoum. Khnoum qui est le dieu créateur de nos formes humaines, de notre chair, de notre forme humaine. Et puis vous le voyez dans une espèce de boîte blanche, entourée d'un serpent qui fait tout le tour là. Et celui-là est positif. Et puis d'un autre serpent devant lui avec Ra, le soleil juste au-dessus. En fait, il accompagne le soleil pour le protéger dans son voyage sous terre dans la nuit. Enfin, en tout cas dans l'ombre. Et puis, vous avez deux hommes. Et c'est ces deux hommes-là dont je vais vous parler. C'est extrêmement important. Vous avez à l'avant un homme qui s'appelle Sia aussi, ça aussi. Et à l'arrière, vous avez un homme qui s'appelle Heka, la puissance. Alors, je vais vous montrer Heka. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est très simple. Vous voyez la torsade, on va appeler ça comme ça pour que ce soit plus simple. Et puis, vous avez le hiéroglyphe du K, donc je vous ai parlé il y a dans l'avant-dernier live, qui ce sont ces deux bras levés vers le ciel, qui est censé représenter votre double. Mais ça, je vous en parlerai en très grand détail dans la masterclass que je ferai bientôt. Et vous avez le petit pharaon assis, ça veut dire que là, on a affaire à une divinité. Donc, c'est Heka, l'homme qui est à l'arrière de la barque, qui emmène le soleil dans l'ombre, qui protège le soleil dans l'ombre. Et ça exprime, ce Heka, la force, la puissance magique, c'est-à-dire divine, en relation avec le ciel, en relation aussi avec les torsades du temps que vous voyez, le premier hiéroglyphe, donc les lignes de temps. D'autres diront votre ADN, mais moi je vous dis que c'est en lien avec les lignes du temps et c'est en lien avec un mot qui s'appelle Our, Heka. Alors, retenez ce mot-là 2 secondes. Excusez-moi, j'enlève la batterie parce que c'est en train de chauffer. Voilà. Et donc, retenez ce hiéroglyphe-là, très important. Heka. Alors, vous pouvez oublier le petit bonhomme, mais ce qui est important, c'est les deux premiers motifs. Et maintenant, je vais vous montrer un hiéroglyphe que connaissent les élèves qui ont pris la masterclass Anubis, très importante. Et ce hiéroglyphe-là, c'est Taour. Bon. Et dans les hiéroglyphes existants par rapport, je vais vous dire ce que c'est. Un Taour, c'est la grande terre ancienne. Et c'est une région d'Égypte, mais c'est aussi toute notre planète. Et ça, j'en parle en long, en large et en travers dans la Masterclass Anubis ou quoi autre. Vous avez un prix jusqu'à mercredi, les amis. N'hésitez pas ceux qui l'ont pas encore parce que ça vous explique beaucoup de choses sur nos origines et sur tout le rapport avec la Dame du Lac. Toutes nos légendes, enfin légendes, j'aime pas dire ça parce que c'est pas vraiment des légendes, c'est beaucoup plus que ça, en rapport avec les Hespérides, en rapport avec la déesse Neith, qui est
exactement l'équivalente de Notre-Dame du Lac, et on voit que c'est la même origine. J'explique cette origine en long et en large, et j'explique aussi les méthodes de Anoub, qui est Anubis, et de Oupouaout, qui est complètement oublié, rejeté dans tout. Vous trouverez pratiquement rien sur lui, alors que c'est peut-être un des Nietzscheurs les plus importants et ô combien important, puisque ça explique vraiment comment la protection, plein de choses. Donc, pourquoi je vous montre ce hiéroglyphe-là maintenant? Parce que ça, c'est Taour. Taour, donc cette terre sacrée, cette terre secrète dont je parle beaucoup dans la masterclass Anubis au Poids Août. Et puis là, je vous montre Heka. Et simplement parce que il y a un mot qui s'appelle Our Heka, qui commence avec le premier hiéroglyphe que vous voyez là à gauche de Taour, la terre sacrée, la terre mystérieuse. Et alors, il faudrait imaginer ce premier hiéroglyphe à côté de celui-là, Our Heka, et c'est la grande force magique, la baguette magique, les anciens textes disent au moyen duquel, de laquelle le mort retrouvait la parole. Et ça, ça a trait à la cérémonie de l'ouverture de la bouche. Et à beaucoup d'autres choses qu'il faudrait que je vous explique un de ces jours. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que ce mot-là, Heka, est très important et nous emmène très loin aussi. Tout ça pour arriver à ce hiéroglyphe-là qui se prononce aussi ça. Alors, mais avant les amis, je vais trop vite. Je reprends Heka parce que pourquoi je vous parle de Heka, c'est parce qu'à l'avant du fameux bateau là, vous avez ça à l'avant du bateau qui se tenait à l'avant du bateau solaire et Heka à l'arrière maniant la rame. Et ce hiéroglyphe Heka que je viens de vous montrer, là, celui-là, pour faire les choses très claires, voilà. Ça symbolise, l'ensemble du ça et du Heka symbolise le savoir qui ouvre les portes à l'intelligence humaine, mais aussi la puissance de l'initié qui lui permet de les franchir, c'est-à-dire tout simplement la force de conviction intérieure, la volonté, qui est la chose la plus importante dans la vie, la volonté, parce que c'est la volonté qui vous permet d'être sûr de vous, parce que beaucoup de gens savent plein de choses, mais disant non, non, je suis pas expert, je peux pas savoir, je peux pas juger, je suis pas capable de... Alors qu'ils ont tous les éléments, mais simplement, au lieu de construire sur le sable, de ne pas construire du tout, mais il faut ajouter les briques et les garder solidement. Et c'est ça, la volonté. Hein, c'est très important. Donc, on voit que Heka et Sia, ils ouvrent les portes à l'intelligence humaine. Alors, Cette digression, était vraiment indispensable pour montrer que des mots phonétiquement identiques, mais formés de signes différents, avaient des significations également différentes. Et or, c'est le signe qui exprime l'idée et pas la phonétique. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire. Pas pour la phonétique. Merci beaucoup, Célona, pour ton don. Merci infiniment. C'est vraiment très utile en ce moment. Merci. Alors, c'est vrai que pour nous, cette particularité, elle est difficilement compréhensible pour un Français, par exemple, car pour exprimer une idée différente d'une autre, nous servirons toujours des mêmes lettres en variant leur combinaison. Mais tandis que pour nous, il faut, en tant que
on va dire, moderne, entre guillemets, il faut une longue dissertation pour faire ressortir une idée abstraite en langue hiéroglyphique. Un seul signe pouvait le rendre d'une façon lumineuse et complète. C'est une langue, c'est une écriture qui permet d'aborder en une seconde des complexes très vastes et profonds. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un ancien Égyptien, il voyait ce hiéroglyphe, par exemple, et tout de suite, il allait voir Heka, la puissance, la force, la volonté, mais aussi le type, si j'ose dire, qui était à l'arrière, la divinité qui était à l'arrière du soleil, quand le soleil était en danger, la protection. Il va faire plein de rapports. Il va aussi faire des rapports avec Sia qui est à l'avant et avec tous les Sa qui veut dire aussi la filiation, la protection, le déroulement du savoir sur le temps, les lignes de temps, tout. Il va tout voir en même temps. Il va pas avoir besoin d'écrire un texte avec 3 pages pour expliquer ça. Vous comprenez? Donc c'est une langue vraiment. Chaque hiéroglyphe est une porte qui ouvre sur plein de choses. Il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que les anciens Égyptiens avaient vraiment une connaissance, je dirais, presque domestique du passé, du présent, du futur, des lignes de temps, etc. C'est très important de le comprendre. Alors, dans tous ces exemples, j'ai donné 3 signes homonymes dont le son est ça, mais il y en a encore d'autres ayant la même phonétique et dont les significations sont encore différentes. Alors, je vais essayer de vous en montrer d'autres pour que vous compreniez bien la profondeur. Simplement, je regarde, oui, le livre des portes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, excusez-moi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de AF, A-F, hein, et je vous ai dit que je retrouvais pas le hiéroglyphe, mais en fait, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que le AF étant le soleil mort, le soleil noir, le soleil dans l'ombre, sous terre, mais parce que Knoum, là, que vous voyez au centre de cette barque, eh ben, se présente, se prénomme à ce moment-là AF, justement, le soleil mort ou AFU. On l'appelle aussi AFU Ra, c'est pour ça qu'il a le soleil sur ses cornes. Et c'est la forme à tête de bélier de Ra pendant un voyage dans le Duat, c'est-à-dire le voyage du soleil sous terre, les 12 heures de la nuit, qu'on appelle aussi les 12 heures de l'enfer. Et la barque se nomme Mesektet, avec donc Sia à l'avant et à gauche, en avant de la barque, et Heka à droite, à l'arrière de la barque, entourée par les protecteurs, dont le serpent qui est enroulé tout autour de Af, de Knoum, là, au milieu, ce serpent, là, torsadé autour du bloc blanc, là, c'est le serpent positif protecteur qui s'appelle Mehen. Et Mehen, ce serpent, quand un serpent est positif, il a la tête levée vers le soleil, vers le ciel, indépendamment de son corps, et comme celui-là. Et pourquoi ces méandres, pourquoi on le représente avec ces méandres? Ben, tout simplement parce que chaque méandre, il faut que vous les calculiez. Alors, je vous laisse le faire, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, excusez-moi, 19, 20. Normalement, il y en a 21, si je ne me trompe pas. Le 21, c'est le 12 à l'envers.
Mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. On en reparlera quand je vous parlerai de cette barque dans un live, parce que c'est une barque très particulière. Et je vous parlerai de Mehan aussi. Alors, juste, je reviens en arrière 2 secondes avant de continuer. Et ça, c'est un clin d'œil aux élèves des masterclass. Donc, le ça, voilà, celui-là, n'est-ce pas? On le trouve aussi dans l'énoncé du mot Serhem. Et ça, c'est dans la masterclass Sermet. Le Serhem, c'est cette espèce de grande rame avec des hiéroglyphes et beaucoup de décorations, qui s'appelle le Serhem et qui est un objet de Sermet, qui est très important parce que c'est l'unité, ça représente l'unité des forces. Et vous pouvez comprendre maintenant pourquoi c'est l'unité des forces, parce que comme vous avez vu là dans le livre des portes, on vous parle de... Comment? Excusez-moi, je cherche le dessin. Voilà, à l'arrière, vous avez notre ami qui est protecteur et qui a une rame, alors que celui à l'avant n'en a pas. Et c'est la puissance du déplacement, mais c'est aussi la puissance de l'unité, de la volonté, le serum de notre ami Sermet. Qui, si vous prenez la masterclass Sermet, vous savez que elle représente l'unité de plusieurs énergies Netchero qui sont tout l'éventail des forces impactant notre planète, les forces divines impactant notre planète, puisqu'elle gère l'agenda sur Terre. Ça, c'est des choses qu'on vous dit pas. Voilà, il faut éviter tout le New Age là où on vous parle, oui, la lionne, machin, et tous ceux qui vous parlent de se remettre comme ça, parce que c'est une énergie sacrée énorme qui comporte beaucoup plus d'énergie que d'autres, et qui surtout est un éventail de plusieurs énergies divines. Et qui est aussi génératrice des tempêtes solaires sur Terre, par exemple. Et tout est expliqué dans le masterclass Sermet. Bon. Et donc, notre ami qui est à l'arrière de cette barque, Heka, dont je vous ai montré le hiéroglyphe, est vraiment le symbole de la puissance. Et il tient cette rame qui est en fait le CRM, l'unité de la volonté, l'unité de la puissance, évidemment la puissance divine, puisque vous avez le hiéroglyphe du K juste après la torsade. Donc le divin, la force divine. Donc voilà, c'est très important de comprendre tout ça. Donc, je continue, excusez-moi, je regarde. Ah oui, il y a aussi... le même, donc le CRM, et puis vous avez aussi dans ce qu'on appelle le SAR, c'est le même hiéroglyphe, la canne, que je viens de vous montrer, le SAR qui est l'esprit, le corps de l'esprit. C'est très vaste, il y a tellement de choses qui se répondent. Voilà, moi je trouve que c'est extraordinaire comme langue. Voilà, alors je continue. Vous avez ensuite, toujours se prononçant ça, ce hiéroglyphe-là. Alors qu'est-ce que ça représente? Eh bien, figurez-vous que ça représente un manteau roulé porté par les soldats ou les collégiens. Il portait ça autour du cou. C'est-à-dire qu'il y avait la couverture qui était roulée et ensuite il la croisait autour du cou pour que ce soit plus léger. Voilà, cette espèce de châle, de manteau. Parce que, je vous rappelle, en Égypte, les nuits sont extrêmement froides
Et donc voilà, mais aussi ça pouvait être des couvertures pour s'asseoir sur le sable, etc. Alors, quand on voit ces hiéroglyphes-là et qu'on sait que ça veut dire manteau, un manteau roulé, cela nous envoie aussi vers le mot troupe, collège, communauté. Tout de suite, l'Égyptien ancien, il va voir ça, parce que seuls les enfants ou les gens qui entraient dans des écoles normales ou d'initiation, et puis aussi les soldats portaient ce genre de manteau roulé autour du cou. Donc tout de suite, on a l'idée d'une troupe, d'une communauté, d'un collège, etc. Et c'est aussi, les amis, en rapport avec un autre hiéroglyphe. Et ce hiéroglyphe est celui-là. Et il se prononce aussi ça. Pour vous dire, il y en a des ça, hein. Regardez, voilà, ce hiéroglyphe-là. Alors vous dites, c'est quoi ce truc? Alors, ce truc. Excusez-moi, les amis qui sont dans le chat, mais vos conversations privées, vous pouvez le faire en privé, s'il vous plaît, parce que là, vous distrayez nos écoutants. Bonsoir, mon père. Bonsoir, bonsoir, Jean. Alors. Jean, je te promets que je parlerai du glyphe de l'ibis et de Ar à un autre moment, un autre live. Là, je suis sur là-dessus pour l'instant, parce qu'il y a des raisons. Alors, ce hiéroglyphe-là, les amis, à votre avis, c'est quoi? Je parle en termes de choses domestiques, de fonctions premières, matérielles. J'attends vos réponses, les amis. Parce que si vous ne trouvez pas rapidement, mais je vous le dis tout de suite, hein, mes amis. Alors, j'attends que vous répondiez. Pendant ce temps-là, je regarde. Merci Marie-Paul pour ton don. Merci beaucoup. Merci. Alors, je regarde. Excusez-moi, je remonte en arrière pour voir ce que vous m'avez dit. Alors, bon, je réponds pas au bonsoir parce qu'il y en a beaucoup. Bonsoir Geoffroy, par contre, parce que lui, je connais pas. Bonsoir Mehdi d'Istanbul, merci à toi d'être là, s'il te plaît, fais bien attention en ce moment. Voilà, peut-être que ce serait bien que tu rentres en Égypte un petit peu. À toi de voir. Ah, super Gilles, tu nous annonces des nouveautés de musique. Merci à toi. Alors, je continue et je vais voir vos réponses. Ah, super Geneviève. Bon. Alors, je descends pour vous retrouver le dernier. Oui, Abdelrahim, c'est une analogie très belle des anciens, ce que je disais tout à l'heure. Merci encore, Xilona. Alors, Boao nous dit le savoir déployé, ça fait écho aux consoles dans l'architecture classique, référence au ruban du secret. Oui, sauf que là, c'est un ruban qui se déploie et qui n'est pas du tout secret. Il faut juste prendre la peine de pouvoir apprendre, de vouloir apprendre. Alors Abdelrahim, il faut que tu saches qu'en ligne, on met pas son mail. Il faut le mettre avec les mots séparés. Tu mets ton première partie, après tu mets le at, après tu fais un espace et tu mets la suite et ça apparaîtra. Alors, il belle passette, on nous fait un jeu de mots savoir.
Ça veut dire voir le sein, c'est tout à fait vrai. Alors, Cicérone nous dit c'est comme les quatre mâts en mandarin avec les quatre accents. Oui, sauf que, bon, puisque j'ai une maîtrise de chinois classique, c'est vrai que, par exemple, si vous prenez le mot chou, il y a chou, 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 chou. Ça veut dire des choses différentes selon l'intonation, mais en principe, il n'y a que quatre interprétations possibles. Alors que, en Égypte, les hiéroglyphes, ça nous plonge dans un monde de mots qui se renvoient les uns aux autres. Ah, très bien, Jean. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut séparer le at, hein, l'arobase, il ne faut pas les coller. Voilà. Donc, je continue, je descends vite parce que je pense que vous avez dû trouver depuis. Alors, Laurent nous dit des anneaux, des fils brodés, Aziza. Steph nous dit, j'aurais dit une clé, comme Angèle d'ailleurs. Il y en a qui disent aucune idée. Quelque chose pour tisser, non. Cyril, un objet de coiffure, non. Un bijou, nous dit Vichara, non. Mon père dit 10 boucles, 4 nœuds. Alors oui, certes, mais ce n'est pas ce que c'est. Alors, Gaspard est déjà, il s'approche en nous disant que c'est une corde qui lie les quatre directions, les quatre éléments, sauf que là, c'est encore autre chose. Alors, la Mme Zaza s'approche parce qu'elle nous dit en métal. Alors, tout à fait. Alors, les amis, je ne vais pas vous faire attendre davantage. Ce mot, ce hiéroglyphe plus exactement, qui veut dire entrave. C'est ce qu'on utilisait pour attacher les pieds des prisonniers. D'accord? Et on utilisait ce mot très souvent à la place de ça, du ça, le manteau des soldats, parce que ça fait référence aux soldats qui gardent. C'est-à-dire que quand vous voyez ce mot, ça, qui est donc un manteau qu'on portait autour du cou, que les soldats, entre autres, portaient autour du cou, ça fait référence tout de suite dans la tête d'un ancien Égyptien à garde, à soldat qui garde. Et là, vous avez le hiéroglyphe qui se prononce aussi ça et qui veut dire garde. Voilà. Donc, c'est vraiment vraiment important. Et il faut savoir que celui-là, on l'a utilisé plus tard avec la même signification que celui d'avant, que je vous ai dit, le manteau, là. Il s'employait très souvent au lieu du précédent parce qu'au cours des siècles, les scribes avaient perdu la connaissance de l'idée abstraite qui différenciait ce signe du précédent. Voilà. Il faut voir aussi que les hiéroglyphes, avec le temps, ça dépend à quelle époque ils ont été écrits, parce qu'il y a du savoir qui se perd à travers les années, c'est logique. Et enfin, il y a un hiéroglyphe que vous connaissez, je pense pas, parce qu'il n'est pas courant, c'est celui-là. Et ce hiéroglyphe-là, il s'appelle aussi ça. On le prononce aussi ça. Et eh bien, ça représente le dos. Mais pour un ancien Égyptien, c'est l'idée de ce qui est derrière, mais aussi de ce qui est après. Donc encore une notion de passé-futur, ce qui est dans notre dos. Ce qui est dans notre dos, ça veut dire qu'on est déjà dans le futur. Ou alors, on ne regarde que le dos et c'est ce qui est derrière. Vous comprenez? C'est le passé. Et pour un ancien Égyptien, il voit tout de suite dans le dos, justement, c'est l'endroit d'où découlent les idées abstraites et qu'il exprime, qui sont derrière.
après, sur, on utilisait ce mot-là aussi pour toutes ces mots-là, ce hiéroglyphe pour tous ces mots-là. Alors, sans doute allez-vous me demander comment on pouvait parler une langue avec une telle quantité de mots homonymes au son, dont le sens était parfois opposé. C'est pas vraiment opposé, c'est qu'il fallait vraiment connaître la connaissance profonde. Et puis aussi, très simplement, la phrase dans laquelle est entré un mot indiquait l'ordre d'idées auquel il appartenait, évidemment. Donc le contexte est très important. Et d'ailleurs, en français, on a la même chose. Vous avez le son vers une destination, le vers le cristal, vers la couleur, le vers de terre, vers. Vous voyez, ça, c'est plusieurs choses. Et même si tous ces mots sont homonymes, on ne les confond pas. On arrive très bien à faire les différences entre le contenant, la préposition, etc. Et aussi, il y avait aussi certaines prononciations chez les Égyptiens qui avaient des nuances, des fois, pour différencier certaines phonétiques, comme ça existe partout dans le monde, en fait. Et c'est pareil en français, encore une fois, quand vous dites et, alors vous savez pas si c'est et accent aigu, si c'est et à i, si c'est et accent grave, enfin vous voyez, mais on le sent l'intonation. Et voilà. Alors, tout ça, c'est pour comprendre la structure profonde de l'évocation des hiéroglyphes, enfin la structure profonde qu'il y a derrière le dessin d'un hiéroglyphe et les initiés des temples enseignaient que tous les Nétcherou étaient créés, donc tous les énergies divines, hein, Nechelo, était créé par ce qu'ils appelaient l'indéfini, c'est-à-dire vraiment le Dieu, hein, voilà, il l'appelait l'indéfini et il était dans une représentation, comment je dirais, il ne représentait jamais Dieu, mais il représentait, alors vous allez me dire, il représentait Ra, mais Ra, et solaire, mais ce n'est pas le dieu unique dont il faisait référence, c'est un nature. Et très important, mais c'est une énergie. Voilà. Et on l'appelait Atum. Atum, Atem, vous savez qu'on ne sait pas comment se prononcer les voyelles en ancien égyptien. Et voilà le hiéroglyphe du créateur, donc de Atum, Atem. Excusez-moi, l'image n'est pas nette, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, vous voyez le traîneau en bas. Et comme dans la Genèse, on voit Dieu avant la création qui, entre guillemets, je cite la Genèse, planait au-dessus de l'abîme, chez les Égyptiens, ils disent Atum était dans le nous. Alors, je vous ai parlé du nous dans l'avant-dernier live. Le voilà, le nous. Hein. Donc, vous voyez toujours le petit pharaon assis à droite, ce qui veut dire que là, on nous parle d'une divinité. C'est le nom d'une divinité. Et là, c'est le nous qui est l'élément premier, la proto-matière qui servait à la manifestation de l'action divine créatrice. Ça, je vous en ai parlé dans l'avant-dernier live. Et dans le livre d'Idées mort, encore une mauvaise traduction, dans le chapitre, je crois que c'est 17, comme par hasard, il est écrit, je suis l'unique qui se créa dans le nous. Voilà. Et chapitre 3, on dit, Thème, donc Thème, c'est le traîneau que vous voyez en bas, qui sortit de l'abîme, du nous. Donc,
quand on voit le hiéroglyphe qui représente le Netcher Atum, un ancien Égyptien voyait tout ça. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le traîneau était un objet extrêmement utilisé en Égypte ancienne, parce que c'est, bon, il y avait beaucoup de sable. Et donc, pour se déplacer, on traînait des traîneaux. Il y avait des traîneaux avec des choses magnifiques dessus, pour pouvoir aller partout, sur les dunes, partout, etc. C'était un moyen de transport. Donc, si vous voulez, quand on voit ce traîneau, c'est aussi automatiquement le mouvement. Et le mouvement qui nous apporte des choses importantes. Donc, c'est la vie aussi, c'est quelque chose qui nous entraîne. Et il faut avoir toutes ces notions-là quand on voit ce hiéroglyphe. D'après l'enseignement des anciens Égyptiens, la création se décompose en deux phases. Il y a l'acte de volonté volitif qui émane de Atum, de créer le monde, et sa réalisation exécutée au moyen de nous. Nous, je remets nous là, voilà, qui est la protomatière, vous voyez l'eau aussi, et le ciel en bas. Et vous avez tous les Netcherou qui dérivent d'Atum, qui présentent les noms, abstraitement ou pas, des diverses manifestations. Donc, quand vous... Le traîneau, on le représente très souvent, excusez-moi. Là, c'est pour le Netcher Atum, mais on le représente très souvent avec un soleil à côté. Donc, c'est la réunion. Le soleil plus ce traîneau, eh bien, il réunit le soleil Ra. Donc, c'est une réunion de Atum et de Ra. C'est bien pour vous dire que c'est des entités différentes. Et cela exprime l'unité du principe avec sa manifestation. Le principe, c'est Atum, la manifestation, c'est Ra. Vous comprenez mieux peut-être comme ça. Alors, toujours dans le livre des morts, chapitre 17, on dit Ra, le créateur des noms de ses membres, des autres Nietzschelo. Ra et Atum sont très souvent confondus l'un avec l'autre, alors que c'est très différent. Et au fond, l'un n'est que la manifestation de l'autre. Et d'ailleurs, il y a une citation sur le sarcophage de Mentouhotep qui dit « J'étais Atum, j'étais Ra quand j'étais moi seul. » Et dans les textes des pyramides, on trouve le nom dans lequel l'indéfini Atum, parce qu'on ne peut pas le définir, c'est pour ça Atum, Dieu, on ne peut pas le définir, il est indéfini, il est infini, hein, c'est pour ça, dont le nom était écrit par le traîneau et réuni avec Ra, le soleil, exprimant ainsi l'unité du principe et de sa manifestation. Donc voilà, c'est très important. Et je continue, les amis. C'est bien pour ça que je vous dis d'ailleurs, parce que quand je vois encore les gâteux dire que non, en Égypte, il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas des dieux. Netchalou, ça veut dire énergie et énergie divine. Et ce sont toutes les énergies d'un dieu unique. Et ça, ils insistent en plus dans ces Égyptiens. Et regardez là ce que je viens de vous dire entre le principe. Et Atum, Ra et Atum, vous voyez bien que Ra n'est que, c'est déjà pas mal, hein, mais n'est que la manifestation de Atum. Et que Atum, le hiéroglyphe veut dire indéfini. Voilà, ce sont ce genre de choses qui vous font comprendre la vérité des enseignements égyptiens. Donc, si on connaît pas ça, évidemment, on part dans tous les sens. Et c'est vous, dans Sermet, j'explique bien toutes ces histoires de Netchelou, le rapport des énergies et tout ça. Alors,
Donc, le nous, qui est la protomatière, en fait, d'un côté, d'un autre côté, le père du matériel, on va dire, de ces mêmes Netchalos, c'est nous, la protomatière, car c'est par lui que deviennent les réalités de ces énergies. Alors, je ne parle pas d'atomes, je parle de tous les autres Netchalos. Et la première manifestation d'atomes fut Ra, le soleil, symbolisant la lumière, la chaleur et par conséquent la vie. Quand l'unique créa la vie, il utilisa le Ra, le soleil, l'énergie solaire. Et on le représente aussi par la bouche d'atome. Ça, je vous en ai parlé dans un autre, je crois, live. Vous voyez la bouche en haut et le bras en bas. C'est le verbe, c'est le ce qu'on appelle le logos. Et on sait que c'est le logos, le verbe qui déclencha la création. Hein, vous vous rappelez quand dans la Genèse, Dieu dit « l'univers fut ». Au commencement fut le verbe dans l'évangile de Saint Jean. Donc, la manifestation visible de ce premier acte matérialisé par le « nous » fut le soleil Ra qui s'éleva au-dessus de la surface du « nous », la protomatière, pour donner la lumière et la chaleur réelle, indispensable à toute forme de vie, à tout phénomène vital. Et le logo Ra, le verbe dans sa première manifestation de création de la lumière, est représenté par le soleil, Ra tout simplement, et en s'unissant à sa manifestation, le verbe donne naissance à Ir, Y-R, mais ça, la lumière dans la bouche, c'est-à-dire il faut imaginer cette bouche, avec Ra dedans, et c'est ce que j'appelle moi la lumière dans la bouche, qui est le verbe lumineux où c'est pas seulement l'œil, organe au moyen duquel est captée la lumière du soleil, mais c'est aussi surtout la manifestation de l'acte du verbe qui fut la création de la lumière. C'est passé par le verbe. Vous pouvez comparer d'ailleurs avec la Genèse si ça vous intéresse. Alors, vous avez les... Excusez-moi, je remets ma tête. Voilà. Vous avez aussi les déesses Isis et Nephthys, et quelquefois Hathor, que l'on appelle l'œil de rat. L'œil de rat, c'est donc la possibilité de manifester sur terre la lumière divine pour créer des choses. Alors par exemple quand c'est Sekhmet, c'est à la fois la guérison et aussi la punition. Il y a toujours un côté positif et négatif pour pouvoir gérer les choses terrestres. Et vous avez aussi Osiris. Alors, je remets Osiris. Voilà. Alors Osiris, là j'ai un peu coupé le hiéroglyphe en bas, mais il y a un œil, vous avez toujours le petit pharaon à droite, et il y a en bas de l'œil, vous pouvez pas le voir, il y a le trône, et donc ça c'est le trône de Ra, puisqu'il y a l'œil au-dessus, c'est le soleil dans la bouche. On pense que c'est un œil, mais c'est pas un œil. Les anciens égyptiens disaient, c'est tout simplement le soleil est dans la bouche, c'est-à-dire la force de Ra transmise par Atum dans le verbe. Et là, vous avez donc le verbe, la bouche, le soleil dans la bouche et pas un œil. Et tout ça sur un trône que vous voyez pas, je suis désolée. Et ce trône, c'est vraiment très important, c'est le trône de l'œil de Ra. On appelle ça comme ça, mais en fait, il faudrait dire
le trône du verbe de Ra, pour être exact, hein, parce qu'ils le traduisent par œil de Ra, mais il n'y a nulle part le sens de œil dans le hiéroglyphe et dans la transcription égyptienne. C'est le soleil dans la bouche, c'est Ra qui donne le verbe, c'est voilà. Et on vous dit dans un passage du livre des morts, d'ailleurs, hier c'est Osiris et aujourd'hui c'est Ra. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hier c'est aujourd'hui? Donc vous voyez, encore on parle du passé et du futur, enfin et du présent plus exactement. Ra, c'est le nature de la lumière, de la vie, et Osiris, c'est celui des ténèbres. Enfin, qui est dans les ténèbres, mais Ra, il vit par Osiris, comme la plante tire sa vie de la graine qui est ensevelie dans le sol. Il faut comprendre ça. Osiris, il est sous terre. C'est pour ça qu'on le représente toujours avec une peau bleue, qui est la peau de la non-visibilité, ou verte, parce qu'il représente aussi la fécondité, justement, par le fait qu'il est comme une graine à l'intérieur du sol. Et Osiris, c'est la graine qui donne... Alors Osiris, hein, je vous rappelle qu'on prononce Asar, et pas Osiris qui est le nom grec. C'est la graine qui donne la vie à la plante. Ra est comme la plante qui retournera à l'état de graine ayant terminé son cycle vital. Ra retournera à Osiris, nous dit le papyrus d'Annie au chapitre 17-19, et on y dit aussi que la, je cite, la fête de la rencontre d'Osiris avec Ra, parce que la fête, la rencontre d'Osiris, donc de la graine sous terre, et de Ra, le soleil, bah, quand ils se rencontrent, c'est une fête. Parce que ça veut dire que les choses ont germé, que la vie est revenue au niveau matériel grâce à l'énergie divine du soleil. Donc, les anciens Égyptiens faisaient une fête pour ça. Et donc, Osiris, c'est le symbole de l'éternité, des transformations continuelles formant le rythme de la vie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et on peut définir l'hiéroglyphe représentant Osiris, donc le trône de Ra, sur lequel s'élève pour le soleil s'élève pour régner sur le monde. Osiris, c'est vraiment son support, c'est sa racine. Et c'est vraiment important de comprendre bien ça. Donc vous voyez, quand on traduit par œil, non. C'est le verbe, c'est le soleil dans la bouche. C'est très très important. Alors, il se transforme Osiris quand il le af de tout à l'heure, le soleil mort, le soleil dans les ténèbres, quand il a fini son voyage nocturne, Osiris se transforme à ce moment-là en disque rayonnant de Ra manifesté par nous, la protomatière qui l'élève sur la voûte céleste du Nout. De Nout, pardon. Nout, c'est le ciel. Donc, la création des Netcherou, c'est-à-dire la manifestation progressive des facultés, des qualités de l'indéfini au fur et à mesure du développement de sa création, se poursuit par ce que les anciens Égyptiens ont appelé les énéades, c'est-à-dire les groupes de Netcherou. Vous savez, chaque ville a son énéade, comme il y a des heures dans le Tuat, comme le Tuat avait une énéade qui lui était particulière. Alors, cette puissance de la création, elle est traduite par ce hiéroglyphe-là. Alors, excusez-moi, c'est pas clair, c'est PZS, et c'est un cercle avec un autre tout petit demi-cercle en bas,
comme la 17e lettre de l'alphabet, n'est-ce pas? Comme par hasard. Et c'est vraiment le développement de la création. Évidemment, ça sous-entend le développement de la création sans encombre, c'est-à-dire victorieuse, hein, de lumière, évidemment. Et voilà, donc quand l'ancien Égyptien, il parlait des Énéades, il pensait à tout ça. Quand il parlait de Ra, il pensait vraiment aussi à tout ça. Au fait, il pensait à Atum en haut, Ra qui transmet la protomatière, etc., etc. Donc vous comprenez que tout ça est interconnecté tout de suite, en une seconde, dans la tête de l'ancien Égyptien. Je parle évidemment au début parce que après, il y a eu beaucoup d'oubli et les gens devenaient de plus en plus incultes comme chez nous, hein. Voilà, c'est par milliers d'années que je parle. Et voilà. Et il faut comprendre que par exemple, y a beaucoup, beaucoup de données à comprendre aussi par rapport aux régions en Égypte, vraiment aux districts des anciens Égyptiens. Parce que, et c'est là où ça se complique, c'est parce que dans les textes d'Héliopolis, Atum, ben c'était lui l'indéfini, alors que à Memphis, dans le nord, on l'appelait Ptah. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Et puis, à Thèbes, on l'appelait Amon. C'est la même chose, en fait. Et voilà, donc, bon, mais ça, c'est au fur et à mesure des époques. Donc, faut toujours chercher ce qu'il y a de plus ancien. Ou alors, il faut se mettre à l'époque, comme je le dis toujours, de Ramsès II, parce que son fils, le quatrième de ses fils, Ramsès VII, le grand prêtre Ramsès VII, a été chercher à nouveau l'origine de tous les anciens textes et de toute la connaissance des anciens prêtres pour la remettre au goût du jour, parce que ça avait déjà dégénéré depuis le temps, et Ramsès a fait ce travail extraordinaire, et c'est surtout après lui que je retransmets tous ces enseignements, parce que c'est, voilà, c'est lui qui a retrouvé un maximum de choses. Alors, c'est ce que je dis, c'est que pour vraiment retrouver le fil du véritable enseignement égyptien, il faut recourir aux textes les plus anciens et pour les trouver dans leur pureté d'origine. Voilà, parce qu'après, il y a eu des discordes, des contradictions de diverses écoles et puis beaucoup, beaucoup de transformations, de pertes, etc. Vous avez d'ailleurs un livre qui s'appelle Le livre de la création du monde. Il faudrait que je vous en parle. Bon. D'ailleurs, quand on vous parle d'Amon, Amun, Amen, hein, notre Amen dans les prières, voilà, c'est en fait un appel à Amun. Amun qui peut-être se prononçait Amen d'ailleurs aussi. Mais c'est la même racine. Et Amon représente exactement la même idée par ses hiéroglyphes que l'ancien Atum. Hein, la racine du hiéroglyphe, c'est la même, etc. Donc, ça exprime ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui se rapporte vraiment à la divinité première. Et c'est vraiment l'invisible, l'être invisible, l'être indéfini, qui est principe de tout et cause première. Et voilà. Et ensuite, quand on a appelé, on a quitté le nom Amon et le nom Atum, et qu'ils ont pris le nom Ptah ou le nom Aton, hein, ça c'est une hérésie totale, Aton. Eh bien, ce sont des composés beaucoup plus matériels et qui indiquent pas la véritable essence
de Hatoum, c'est vraiment la décadence de l'enseignement de l'époque. Parce qu'il y a eu des décadences, évidemment. Voilà. Parce que Hatoum, c'est vraiment au-dessus de toute manifestation, et c'est la raison d'être de l'Énéade créatrice. Et voilà, ça contient le commencement, la fin, le principe. Il y a un texte qui nous dit que Ra, sa première manifestation, son verbe qui se manifesta en soleil, ça a été une création d'Atum. Et ensuite, vous avez Shout, Tefnout, etc. Enfin, toutes les Énéades créatrices. Vous avez eu Geb, c'est-à-dire la terre, et Nout, le ciel. Vous avez eu Osiris et Isis. Vous avez eu Seth et Neftis. Le Nil et la terre fécondée, le désert. Voilà, c'est en fait la progression pour ceux qui adorent les chiffres. La division progressive de l'unité 2, 4, 8. Voilà. Et dans chacune de ces divisions, on voit les deux éléments, dont l'un est masculin, l'autre féminin, qui doivent s'équilibrer en créant ainsi le ternaire. L'équilibre, hein, et les huit éléments se synthétisent dans la neuvième, l'unité dans laquelle ils étaient émanés. Je vais pas rentrer dans les détails parce que vous en pouvez chercher, j'ai des lives sur les huit, etc. Voilà. Alors, pour terminer, donc, je rappelle que ce live, la question, c'est pourquoi, attendez, je vais vous le mettre quand même. Voilà, pourquoi les hiéroglyphes sont des portes interdimensionnelles. Bah, je vous ai fait un petit peu, surtout dans la première moitié de mon exposé, la preuve que dans certains hiéroglyphes, il y a vraiment le futur, le passé, le présent qui sont contenus, le développement, la vie, et aussi tous les niveaux, comment je veux dire, de profondeur, etc. Ce qui a habitué vraiment les anciens Égyptiens à être extrêmement attentif vraiment à ce que peut représenter les symboles et ce qu'il y a derrière et aussi les concepts qui vont avec et les archétypes et tout ça. Donc c'est déjà une très bonne habitude de toujours chercher derrière et cette langue est vraiment interdimensionnel, parce que vous voyez, quand on dit un mot en français, alors c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que vous cherchiez toujours l'étymologie des mots, parce que parfois, dans l'étymologie des mots, même les plus simples, je sais pas, vous prenez le mot, je dis n'importe quoi, table, vous allez avoir beaucoup de renvois sur des choses beaucoup plus justes et beaucoup plus profondes. Le sens des mots étant très important. Mais le hiéroglyphe a cette qualité-là que tout de suite il renvoie à des profondeurs incroyables. Et c'est ça qui est très important. Et alors, pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est très simple. Les anciens Égyptiens n'étaient pas du tout préoccupés par la mort, comme on nous a rabattu les oreilles, en parlant que de momies et de tombes. Les Égyptiens étaient obsédés par la vie, avec un grand V, et par l'exploration de l'espace et du temps, parce qu'on le voit dans les textes vraiment, les textes très anciens, et l'exploration de l'espace-temps fait que très vite, ils ont compris, rien que par l'observation des étoiles et par la réflexion sur les grands principes et le fait qu'ils aient compris toutes les énergies divines et le rapport entre chacune, ce qui est ce que j'appelle le système des Nichiru que vous trouvez dans la masterclass Hermès, et après toutes les méthodes pour échapper à tout ce qui est sombre, parce que, et ça c'est dans Anubis ou Bois Haut, et aussi dans la masterclass Sobek,
c'est pour eux, ils savaient que si on ne fait pas des choses tous les jours, des choses lumineuses tous les jours, etc., à la fois pour se protéger, à la fois pour combattre, ils savaient que nous n'étions pas au paradis et qu'il fallait récupérer le territoire pour le divin. Et c'est pour ça qu'ils ont ce concept de haute et basse Égypte, comme je l'ai expliqué beaucoup de fois. Mais c'est très très important de le comprendre. Ils ont dédié toute la haute Égypte, le sud de l'Égypte, au divin. Ils ont créé un miroir pour être vraiment rattaché en permanence avec le divin, ne pas perdre ça, pour ne pas tomber dans les ombres de la destruction programmée par certains. Et ça, c'est vraiment flagrant quand on lit les textes et quand on lit tous leurs travaux. Et ils savaient que ça allait nous arriver aussi, puisque ils savent que c'est cyclique. Ils ont beaucoup étudié les cycles, ce qu'ont repris plus tard les Grecs et les Romains d'ailleurs. On sous-estime beaucoup la connaissance romaine, mais a été très, très pointue. Bien sûr, les Celtes, surtout qui sont allés beaucoup en Égypte, je rappelle pour ceux qui se moqueraient que les pharaons prenaient comme garde du corps des Celtes gaulois, parce qu'ils étaient réputés dans le monde entier comme étant les meilleurs protecteurs et combattants. Donc ça, il faudrait peut-être se le rappeler, il y a des tas de textes et de preuves là-dessus, et les Romains en ont beaucoup parlé, entre autres, et les Grecs aussi d'ailleurs, les Grecs qui, eux, prenaient des Gaulois celtes pour les mettre dans leur garde rapprochée, parce que c'était les meilleurs. Voilà, donc ça, c'est pour essayer de reprendre le serment, là, l'unité de notre volonté et de nos capacités de ne pas croire que nous sommes faiblesses, parce que c'est pas du tout le cas. Et voilà, les amis. Alors, je regarde les messages. Je vous rappelle qu'il y a un prix sur la masterclass Anubis ou Pouaou, très importante, parce que ça vous évoque le Taour, le pays mystérieux, et toutes les forces de Upwaout, tout ce qu'il fait, etc. Et là, le véritable sens d'Anubis, qui n'est pas du tout un truc sur la mort, et voilà, c'est vraiment quelque chose de très vital. Et puis, vous avez un prix sur la masterclass, non, Ravenna, la première sur les lignes de temps, très importante, parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont pris Némi sans avoir pris Ravenna. Ils vont peut-être avoir envie maintenant de prendre Ravenna, parce que ça va leur expliquer plein de choses. C'est le démarrage de la création de sa nouvelle énergie, pour justement après, vous avez la masterclass Némi pour pouvoir commencer à activer les choses positives en vous, les énergies de la nature, de tout ça en vous, qui vous permettre après de comprendre les lignes de temps et d'y aller, si c'est votre souhait. Mais ça, il y a encore d'autres étapes, bien sûr. Mais voilà. Alors, je rappelle aussi que vous avez la possibilité de m'avoir en session au téléphone. Tout ça sera dans la description. Je vais la mettre après, parce que j'ai pas eu le temps de la mettre tout de suite là, vu que j'ai été obligée de refaire le live 2 fois. Mais voilà, tout est là. Alors, je vois vos questions et vos. Je vous. Je merci, Peace Unity. Alors, la même Zaza, que transportait-on sur le traîneau? Était-il utilisé à certaines occasions ou au quotidien? Alors, les deux, la même Zaza, on le transportait pour transporter des marchandises, hein, par exemple, sur le sable, ça allait beaucoup plus vite. On pouvait attacher un chameau, d'ailleurs, devant,
ou autre chose, ou même les gens tiraient avec des cordes. Ça allait beaucoup plus vite. Surtout que les marchandises étaient principalement sur les bateaux, parce que l'Égypte était quadrillée de canaux qui ont été recouverts par le sable. Après, on en retrouve tout le temps en ce moment. Et donc, tout le territoire était quadrillé de canaux, justement, pour faire venir les marchandises, les gens, etc., plus facilement. Et donc, quand on descendait les marchandises sur la rive, qui était en général ensablée, eh bien, on prenait des traîneaux et tout de suite, ça allait beaucoup plus vite. Mais c'était aussi le transport du corps du cercueil funéraire. On le faisait sur le traîneau. Et à ce moment-là, le traîneau était agrémenté d'une espèce de petite tente magnifique. Et dedans, il y avait le cercueil et puis toutes les pleureuses. Et les parentés qui étaient dessus, même peut-être parfois en plusieurs traîneaux. Voilà. Donc, en fait, on transportait tout sur les traîneaux. Alors. Il y a Abdelrahim qui nous dit l'hérésie actuelle est de plus en plus préoccupante pour nos civilisations contemporaines. Absolument, mais quand ça arrive à un point comme ça, aussi fort, il y a un changement, heureusement. C'est une roue, la vie, hein. Donc aujourd'hui c'est comme ça, demain ça va être le contraire. Donc je pense que ça ravive des choses positives chez beaucoup de gens aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Je t'en prie, Jean. Alors, la prochaine fois, je vais vous faire un live qui n'a rien à voir avec les hiéroglyphes. Et bah, vous verrez, je vous dis rien. Et voilà. Alors, les amis, est-ce que vous avez un autre commentaire? Est-ce que ça, c'est bon? Vous me dites. bon, ben je vois que je ne sais pas l'heure qu'il est. Oui, 10h27. Merci Katia. Merci à tous. C'est pour vous donner une petite idée. Hein. Mais si vous prenez tous les lives où j'ai parlé d'hiéroglyphes, ou même les vidéos, il y a des vidéos où j'ai parlé d'hiéroglyphes, et que vous recopiez vous cherchez les hiéroglyphes, par imprégnation, vous allez apprendre beaucoup de choses et être capable de lire des choses sur les murs en Égypte beaucoup mieux que quelqu'un qui aura appris par cœur un dictionnaire. C'est vraiment important. L'imprégnation fait tout et c'était la façon d'enseigner des anciens Égyptiens. C'était pas du perroquet. C'était vraiment de l'incompréhension, l'intégration, l'imprégnation. Merci Taranissou. Merci mon père. Merci Gilles. Merci à tous. Merci la Mme Zaza. Merci Contact Terre. Merci les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très très vite. J'espère, voilà. Merci à vous et à très bientôt.